présente des jeux et jouets pour les enfants à partir de 1 an pour développer leur motricité, mais également leur créativité, leur imagination, mais aussi des jeux d'apprentissage. Alors, c'est la marque Maxellia qui propose ces différents jeux. Alors, je vais faire découvrir un à un. Tout d'abord, voici le Buzzy Bag. Donc, le Buzzy Bag est un petit sac comme celui-ci en tissu, donc qu'on peut emporter partout avec différentes activités à l'intérieur. Donc, vraiment, là, vous avez l'apprentissage avec le lassage, fixer une boucle, la fermeture. Donc, vraiment, c'est des choses du quotidien que votre enfant rencontre et il va pouvoir s'exercer par le jeu avec ce Buzzy Bag. Très pratique parce qu'on peut vraiment le porter partout et l'emmener en voiture par exemple. Vous avez la clockboard. La clockboard mélange plusieurs choses. Tout d'abord un jeu de pêche à la ligne très sympa avec deux petites pêches. Donc on va pouvoir pêcher les poissons qui sont aimantés. Chaque poisson donc représente une couleur mais aussi un chiffre. Donc du coup il va avoir l'apprentissage autant des nuances de couleurs que des chiffres, donc c'est vraiment très très sympa. Et au centre de la clockboard, vous avez une horloge pour l'apprentissage de l'heure. Donc vraiment très joli produit, donc le clockboard. Vous avez également le logboard. Le logboard, c'est cette grande planche avec différents systèmes de fermeture, de verrous, que votre enfant peut rencontrer dans son quotidien. Et il va donc pouvoir apprendre à les utiliser et ouvrir les différentes portes pour découvrir ce qui se cache derrière. C'est vraiment très sympa. Aussi des petits encastrements ici et un système d'engrenage juste ici. Donc vraiment, c'est vraiment très très sympa avec différents systèmes de fermeture plus ou moins complexes. Donc c'est des jeux assez évolutifs qui peuvent être certains proposés dès 1 an jusqu'à 6 ans. Vraiment, c'est des jeux qui vont aller sur la durée car ils sont vraiment évolutifs. Et le petit dernier est celui-ci. Il s'agit donc du shapeboard. Le shapeboard, c'est vous avez d'abord un système de puzzle. Tout d'abord, l'enfant va pouvoir commencer un puzzle simple. Puis après, il va comprendre qu'on peut faire en fait différents systèmes de puzzle et assembler différemment les pièces pour former différentes formes. Donc vraiment, ça c'est très sympa. Vous avez différents encastrements plus ou moins complexes. Là ici, avec une roue rentrée comme ça pour mettre les différentes pièces. Vous avez également du cercle avec visser, dévisser pour faire coulisser la pièce. Vraiment très très sympa. Pareil avec la notion de couleur. Vous voyez celui-ci qui est pas mal aussi pour les enfants pour pouvoir vraiment travailler la motricité fine avec l'encastrement des pièces. Vraiment très très sympa ce jeu. On pouvait proposer dès 1 an le shapeboard. L'enfant va pouvoir évoluer car vous voyez les encastrements sont différents, assez complexes. Donc vraiment un très très joli produit celui-ci également. Ce qui est bien avec Maxellia, c'est que si vous n'êtes pas sûr au niveau de comment utiliser le produit, Maxellia vous propose des petits guides d'activités qui vous permettent également de pouvoir proposer des différentes activités avec les différents jeux proposés. Donc ça c'est très très chouette. En tout cas moi je vous parle de toutes ces nouveautés de Maxellia directement sur le blog. Je vous dis au revoir.